Velika défendu par Norris Cole, qu'on ne voit pas beaucoup pour l'instant. Norris Cole dans ce début de partie. Velika qui a défend... beaucoup de mal à utiliser les écrans ce soir. Bang bang. Ils n'ont pas froid aux yeux, hein, ces joueurs de Chalon-Reims. Attention, il a dit non. Il Allez. A dit non. Ça pousse en Amino transition. Ça va bien de... mon grand. Ça va d'un côté à l'autre. Bien mon grand. Et il met la main. On appelle ça un switch pour Norris Cole. Et attention, la transition, on n'a pas vu Gauzin s'enfuir. Regardez. Et Paul Lacombe qui veut continuer son trafic. Attention, la perte de balle. 2 contre 1. 2 contre 1 à jouer. Et c'est Gauzin qui s'impose une nouvelle fois. Domination de Gauzin face à Strazel. Le petit spin move là, mais c'est un petit peu court. Gauzin, Mathieu Gauzin qui va défier la défense béarnaise. Et regardez, pour la première fois, eh bien, Chalon compte plus de 10 points d'avance, 11 points. Et peut-être, voilà, c'est fait 13 avec encore ce ballon perdu. Dominique Waters, 9 secondes sur cette possession défendue par Aserit. Il va prendre l'écran d'Embida, renversé sur Mathieu Gauzin. À 3 points pour Mathieu Gauzin. Benitez qui renverse là-bas sur Pierre Pelos. La bonne défense de Parfait, Dominique. Parfait ça. Parce qu'il a réussi à passer devant et le ballon sera pour Trévis Sissi qui va trouver Mathieu Gauzin dans le jeu rapide. Le dunk de Mathieu Gauzin dans les mains de Smith. Allez, faire la rotation. Pas sauter, faire la rotation. Et la voilà. Bonne défense de Mathieu Gauzin. Et Mathieu Gauzin qui était au four et au moulin, qui est allé sur l'aide, sur le grand et qui a repris son joueur. Le CCRB, un CCRB qui fait tourner cette balle, bien sûr, avec Ismaël Bakou. Ça va être compliqué face à Ismaël Bakou. C'est joli, hein, parce que face à Ismaël Bakou, c'était pas simple. Ouais, mais belle agressivité. Voilà, beau travail. Peut-être dernière possession, il va y avoir un shoot à 3 points tenté pour arrondir, pour essayer de trouver ces 3 chiffres. Et Gauzin qui prend sa chance, c'est bien joué. Voilà, on n'est pas monté côté LDLC Asvel. Et bien. Encore, je pense qu'on va chercher un petit tir à 3 points propre. Bonjour Jesse Belgarin. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très bien défendu de la part des ballottés palois. Une seconde de possession, il va chercher le ballon et ça va rentrer. Très bien joué de la part de Mathieu Gauzin. Raté, ce lancé de Jimmy Taylor, la balle. C'est pas trop de Bouba. Récupéré par les Champenois. Gauzin qui va attaquer le cercle. Le dunk de Mathieu Gauzin qui a vu le chemin s'ouvrir. Et c'est beaucoup plus compliqué pour attaquer quand un joueur intérieur sort bien sur les écrans. Mathieu, voilà la réponse avec le petit flotteur. Ça fait du bien. Par Anthony Brown, 4 secondes, 2 secondes, il va falloir shooter pour Anthony Brown. Et le rebond. Ouais, ça va aller très vite. Mathieu Gauzin qui va monter au dunk sur cette contre-attaque éclair. On va ressortir, attention à ne pas oublier le ballon. 4 secondes, Mathieu Gauzin avec la planche. C'est ce qui a provoqué la colère de Sergi Haït qui a apparemment annulé son temps mort. Oh, bien joué. On gagne la faute, Edouard, bien joué. On a du mal, mais c'était surtout sur ça que souffrait Cholet au début. Donc ils ont fait l'ajustement. Bien, le petit Gauzin qui va nous taper un dunk là. Dominique Waters qui ressort sur Mathieu Gauzin. Il était un peu surpris. 7 secondes de possession. Mathieu Gauzin qui va provoquer la faute. Et marqué avec la faute, avec la planche. Gauzin, les crosses et c'est dedans sur Speedy Smith. Ce rebond offensif, non finalement. C'est pour Gauzin. Oh, super passe, Mathieu Gauzin. Pour Travis Leslie. Il fallait aller au lay-up. Et non, trop court sur le dunk. Mais le style de Saibou qui trouve Gauzin. Qui cette fois dunk sans problème, Mathieu Gauzin. Allez, Benjamin Sen. On s'accroche. Benjamin Sen, l'homme d'orchestre de cette équipe. L'interception de Mathieu Gauzin. Très précieux, hein, Mathieu Gauzin. Ouais, avec la belle passe pour Saibou qui va conclure. De la SM. Mathias Poussard, il est la défense de gagner la balle. Allez, bonne main. Allez, il faut aller au bout. Clark pour le shoot à 3 points. Il les aime bien, ceux-là, Marvin Clark. Ça va rentrer dans le jeu de transition. Mathieu Gauzin qui a tout trouvé. Avec un joueur qui va porter un écran et qui reçoit un autre écran derrière. Pour trouver une position rapide, Mathieu Gauzin en drive dans l'intervalle. Oh, le ouf Junior Camien glisse. Oh, la belle main encore de Dominique Waters. On va jouer sur Travis Leslie qui va y aller. La belle passe pour Mathieu Gauzin avec la faute. Et il aurait pu avoir la faute aussi, hein. Il aurait pu avoir la faute. La fin de ce troisième carton. C'est un peu long, mais faille. Je vous le dis, on vous le disait, hein. Il est présent. Allez, allez, offensif, le ballon récupéré. Et le jeu rapide par Mathieu Gauzin. Ça rentre. Yeah, plus tard. Et Léon Chalon devant d'une possession.
Waters. Ouais, la belle alternance là pour resservir Gani Lawol qui était parfaitement. Cousin à l'opposé. Oui, ça c'est bien. C'est très très bien. Perd la tête, mais. L'Ostaïbou pour le Champagne Basket. Allez, on cherche encore l'intérieur. Ça vient tout de suite prendre à deux. On est obligé de ressortir sur Mathieu Gauzin. Il restait une seconde de possession. Oh, mais quel tir de Mathieu Gauzin. Il était là par ici. Sur la sortie d'écran, et du coup, ça permet à Daniel Andujic de marquer. Mais là, Mathieu Gauzin, il va très très vite de l'autre côté. Il va chercher le N1. La jeune pépite de cette équipe de Champagne Basket prêtée par. Mathieu Gauzin et 60-41. Ah, Mathieu Gauzin là qui 19 joue bien. Points d'avance pour la Gielbourg. Ah, Mathieu Gauzin peut-être pour super. Le score, bien joué. Superbe là, Mathieu Gauzin. Allez, Benjamin. Benjamin Senlay provoque avec sa main droite qui relance la balle. Baba Karim. Toujours pas. Ah, non, la claquette de Baba Karim qui ne tombe pas dedans. Décidément. Et la contre-attaque de Mathieu Gauzin qui, pour le coup, fait jouer sa vivacité et qui fait commettre la faute par John Flowers. Ouais. Et inscrire 2 points en parallèle. C'est franc pour revenir à 2 petites unités. Je vois Benjamin qui